Jamais mal, puisqu'on retourne dans une preview avec Eldest Souls. Qu'est-ce que c'est comme jeu? Pourquoi vous me demandez? Je découvre en même temps que vous. Oui, tu es bien dans le stream The Big Gameuski, là où on ne fait pas trop de bullshit en répétant les jeux à l'avance et en faisant croire qu'on les découvre. On va explorer ce titre qui apparemment présente un pixel love assez généreux. Et on va voir les surprises qu'il nous réserve. Alors, il va falloir que j'apprenne à comprendre à quoi signifient ces barres. Si ce sont des barres d'action, effectivement, il va falloir que je fasse gaffe parce que je tape trois coups. Et après, il faut que je parte en retraite, comme on dit. En gros, ça doit être ma life. J'ai également une barre pour les déplacements optimisés. Ça vous rappelle un autre jeu? Non, je ne nomme pas. Donc, une attaque légère, mais on peut garder appuyé pour balancer la purée. Syndrome, je cherche des bonus dans les objets du décor. Ça existe depuis les années 1980 et c'est pas prêt de changer, je vous le dis. Ah, même ce chariot va y passer, je vous le dis aussi. Alors ça, pendant les combats, ça va être un peu chouchou, je présume. Parce que s'il y a des boss qu'il va falloir dégommer uniquement avec des charges, parce qu'ils encaissent tout, sauf ça va être méchant. Vilaine porte, vilaine, vilaine. Que l'appelle Rio Checkpointo. Vous me l'achetez? Ok. Alors ça manque de roulade. Ouh, c'est du one shot. Serait-ce un Dark Souls tout en pixels? J'espère pas. Parce qu'on va pas être potes. Alors, Ford, non, Dodge. Oh, chaque fois je les confonds toutes les deux. Pourquoi je suis mort? J'ai dodgé dans ce truc. Je vois pas comment je pouvais les vitrer autrement. Il y a peut-être un truc que j'ai mal assimilé déjà. Ou alors je passe carrément sur le côté, comme un grand timide, mais je crois que le truc fait vraiment toute la largeur. Ouais. Faut que je trouve une soluce. Faut que je trouve une soluce.
Je viens de récupérer une corde de harpe. Et nul doute qu'une fois que j'aurai reconstitué l'intégralité de cette harpe, je vais faire moultes et moultes concerts pour leur casser les oreilles et tous mes ennemis vont instantanément mûrir, muah. Alors pour l'instant, c'est un petit poil vide. Ennemi, zéro. C'est le tuto, soit. Mais il serait temps que ça s'anime un petit poil, les amis. Avant que je défonce tout ce décor. Qui ne me plaît pas tant que ça, parce que comme les camions, vous avez remarqué, il est un peu terne. Oui, les fameux camions qu'ils sont tellement. Non, je ne la ferai pas. Vous avez très bien compris. Ah, il y a un bonus là. Oh, die, 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 die. Super die. Oh là. Oh. When suddenly. Ah, un peu d'action, d'espièglerie. Et peut-être l'amour de ma vie, allez savoir. Hop, il n'a pas l'air content, lui. Bon, comme il tape. Alors, si à chaque fois je me fais démonter, regardez ma jauge. Alors, faut gérer vraiment ces. Ah! Ces coups. Pour pas se faire avoir comme un noob. Ah! Oh, c'était pas loin, c'était ou lui ou moi. Et à une demi-seconde près, c'était moi. Je suis pas prêt d'y arriver, je vous le dis tout de suite. Ouh, il m'a tapé là. Les coups après son bon. Pourquoi je suis. Mon énergie est monstrueusement descendue là. Je sais pas trop pourquoi. Parce que. Voilà, je suis mort. Ça va être long, pénible, douloureux et pas forcément amusant. Je pense pas qu'on ait un gameplay qui soit particulièrement entraînant si c'est tout le long comme ça. Esquive, 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 t'attends désespérément le moment où tu peux donner un coup. Il y a de quoi déprimer les gens. Je pense pas qu'on va être amis avec ce jeu, non, pas du tout. Ah, je veux bien faire l'effort d'essayer de passer le premier perso pour vous refaire voir la suite, mais moi le principe esquive, esquive, donne un petit coup de cure-dent de temps en temps, désolé, c'est pas mon trip. Je préfère me faire un petit Soul Calibur, au moins on sait de quoi on parle. Ah, on est sur une alpha, mais c'est pas pour autant les gars que vous êtes obligés de faire un jeu qui est pas du tout équilibré encore. Donc effectivement les gars, si vous vous amusez à filer un jeu comme ça entre les mains des joueurs en guise de démo, qu'est-ce qui va se passer? Ils vont prendre le jeu. Ils vont essayer trois fois. Au bout de la quatrième, ils vont se dire, c'est purement injouable. Si le principe c'est de se la jouer Dark Souls-like, avec un niveau de difficulté qui est même pas difficile hein, en fait, c'est. On passe surtout son temps à brasser du vent dans un combat, et ça c'est purement insupportable. Imaginez Diablo fait comme ça. Il n'y a personne qui aurait passé le premier niveau, quoi. Tout le monde aurait balancé le jeu à la poubelle au bout de 5 minutes. Donc, à revoir les gars, votre copie. À revoir. On veut bien jouer avec vous. On veut bien essayer votre jeu.
il a des possibilités, j'imagine. Mais là, vous avez fait de la merde. C'est méchant? Non, c'est réaliste, attention, pas mélanger, pas confondre. Donc, copie à revoir, refaites-nous une démo où on verra le vrai gameplay du jeu avec quelque chose d'équilibré, et effectivement, avec un joueur qui va avoir un smile et prendre du plaisir à jouer, et prendre du plaisir à combattre, et pas à mouliner dans le vent et passer les trois quarts du temps à faire des esquives. C'est pas ça qu'on cherche dans ce genre de jeu, les amis. On va s'en aller d'ici. Tristement, pas de talent, pas de shard, pas de reward, rien. On va juste se barrer. Un coup pour rien, c'était la preview alpha de Eldest Souls, et effectivement, il y a encore beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail à faire. Playlist, playlist, bouton d'abonnement, et à tout bientôt avec un jeu plus conséquent.